pour un Full Body de 25 minutes. J'espère que vous êtes ready. Ça va être un format différent d'habitude car en fait on va faire qu'un seul circuit. Il va y avoir 9 exercices, on va faire 30 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. On enchaîne tout ça et on va faire 4 tours de ce circuit. Et donc sans plus tarder, je vous présente les exercices. Alors pour cette séance, on va démarrer par des montées de genoux, buste au sol, Superman. Donc on fait 10 montées de genoux, on amène le buste au sol et on fait un Superman basse. Le deuxième exercice, ça sera un enchaînement table jump squat. Donc on se positionne en table, on tape ses épaules et on fait un jump squat. Ensuite on fera des fentes croisées alternées plus X. Le quatrième exercice, ce sera une plank in and out avec push-up. Donc on fait une pompe et ensuite on ramène les pieds au niveau des mains, puis on les recule. Cinquième exercice, on fera des jumping jacks. Sixième exercice, on fera des side jump squats. Donc si vous préférez juste faire des jump squats classiques, vous pouvez les faire sur place. Sinon, vous pouvez vous amuser comme moi à le faire en vous déplaçant sur le côté. Septième exercice, ce sera 3 plank jacks avec un commando. Donc on fera 3 plank jacks, ensuite on fera un commando à droite, un commando à gauche et on répète cet enchaînement. En huitième exercice, on fera des butterflies, donc on va targeter nos abdos du bas. Et on terminera avec un enchaînement fente sautée burpees. Voilà, donc j'espère que vous êtes ready pour tout déchirer. C'est parti. Allez, c'est parti, je vais lancer le timer. On part sur les montées de genoux avec Superman dans 10 secondes. Donc tenez-vous prêts, on va se placer au bout du tapis. Et on attaque. Allez, donc on pique les genoux. On saute, on amène le buste au sol, Superman. Hop, on serre les genoux plates et on repart. Si faire le Superman, ça vous fait trop de choses à enchaîner, vous pouvez vous contenter des montées de genoux, buste au sol. Sur les tables jump squat. On se positionne en table, let's go, tap, tap, jump squat. Vous n'êtes pas obligé de faire le jump, vous pouvez tout à fait faire une option où vous vous redressez comme ça en squat, vous serrez bien les fesses pour engager vos fessiers. Allez. On est solide, on repousse dans les épaules, on rentre la sangle abdominale. 3, 2, 1, 10 seconds rest. Troisième exercice, fente croisée plus kicks. Une fente croisée alternée, on amène la jambe vers l'arrière, kick. Donc on vient chercher. Le fait, la contraction du fessier, l'étirement du fessier ici. Allez, on fait des dynamiques. Entre la sangle abdominale. Okay. On passe à une plank, une. And out, plus push-up. Donc, on se met en planche, on pompe, et ensuite on amène les pieds aux mains, on recule les pieds, on pompe, et ainsi de suite. Donc, on s'applique sur le mouvement, vous pouvez tout taper, amener un pied après l'autre, vous mettre sur les genoux, adapter vraiment à l'option qui vous convient. Les coudes longent le corps. 3, 2, 1. Okay. Passe à des jumping jacks. 3, 2, 1. C'est parti. On est explosif. On remplace son abdominal. Engagé ici.
position de squat. Donc vous pouvez tout à fait limiter le nombre de sauts et le nombre de jumps si vous le souhaitez. Donc vous voyez, un jump, puis on saute sur le côté. Et vous pouvez tout à fait le faire sur place. C'était juste pour apporter un petit côté ludique à l'exercice. Ok. On passe à un enchaînement plank jacks plus commando. Donc on se met en planche. On fait 3 jacks. Et on descend au commando. 1 à droite, 1 à gauche. Et on repart. Vous avez bien le bassin en rétroversion. Les fesses basses, la sourde abdominale rentrée, serrée. Allez. Vous pouvez tout à fait décaler vos pieds plutôt que de sauter comme ceci. Et ensuite faire le commando. Ok. On enchaîne avec un butterfly. Donc on vient bien plaquer le bas du dos au sol. Et on écarte, on serre les pieds. Donc on peut le faire main sous les fesses, c'est plus simple. Ou si on maîtrise ce genre d'exercice qu'on a déjà, qu'on est habitué à faire, travailler ses abdos du bas, on peut faire sans les mains, en gardant peut-être que le bas du dos est toujours plaqué au sol. Donc surtout si vous sentez que ça commence à décoller, optez pour l'option plus simple ou bien replacez-vous. Mais ne continuez pas l'exercice si ça tire. Jump, lunges plus burpees. C'est parti. On fait nos ventes. On prépare au milieu. Et pour, évidemment, pour cette version hard, les burpees sont tout à fait adaptés. Pas sauter les fentes. Pompe sur les genoux. Vraiment, vous faites en fonction de vous, pas de soucis, pas de honte, pas de problème à adopter une option plus simple. Vous savez que je m'en fais difficile, mais c'est pour que tout le monde y trouve son compte. Vous pouvez toujours dire une option plus simple. On a 45 secondes de repos entre chaque tour. Donc on prend le temps de bien calmer sa respiration. Donc ce hit c'est vraiment full body comme vous pouvez voir. On fait bien bosser le cardio, on travaille tous les membres du corps. En plus il est rapide. Allez. 10 secondes de repos encore, si c'est vraiment pas assez pour vous, n'hésitez pas à faire pause, à prolonger, rajouter 15 secondes par exemple, pour avoir une minute de repos entre les tours. Let's go. Après, je ne dis pas de prendre 5 minutes de repos sur chaque tour, sinon, il n'y a plus grand intérêt, c'est plus trop un hit, si on fait redescendre le cardio. Mais vous adaptez à vous, sinon 45 secondes de repos, c'est pas assez. Ajoutez 15, voire 30 secondes. Et je suis dernier. Hop. Et on va repartir sur les tables. Jump squat. On se tient prêt. Let's go, tap. Ça ramène les pieds, jump squat. Donc là, c'est un exercice qui manque, qui demande de bien se concentrer sur sa position pour avoir la sonde abdominale bien serrée, bien rentrée, les genoux à 90 degrés. Le dos droit, bien repoussé dans les épaules. Allez. 3, 2, 1.
Ok. Fente croisée, busque X. Et on enchaîne. On cherche à être le plus dynamique possible, tout en s'appliquant sur la position, sur la position en fente. Voyez mon genou, voyez peut-être pas, mais je dépasse pas l'avant de mon pied. Je me concentre, je me tiens droite, je suis gainée. Ok, plank, in and out, et push up. Donc, hop, push up, plank, in and out. Donc, adapter le rythme. Quand vous faites vos poupes, pensez à garder la tête dans l'axe, cassez pas votre nuque comme ça. Allez. 3, 2, 1, 10 seconds rest. Jumping jacks.
Moitié du 8 déjà. Plus que 2 tours. Et c'est fini. On se déshydrate. Pas trop. Pour pas avoir mis tant de cracher derrière. Mais suffisamment. Et surtout, pensez à vous hydrater après cette séance. L'idéal est de s'hydrater avant, pendant et après. On va partir bientôt. Déjà, je le répète, faites pause si vous avez besoin de plus de temps. Les tours, sur les montées, je me suis pas mal. Le super mal, c'est un exercice que j'adore maintenant. Parce qu'avant, je détestais. Et j'adore depuis tout le temps avec le mouvement de serrage de rotate ici parce que ça engage. Vraiment le haut du dos, donc c'est hyper intéressant, comme ça on engage nos lombaires et nos dorsaux. Ok, on va repartir sur la table. Donc on s'appuie sur la position, le contrôle, quand on tape les épaules. Le bassin, il se déplace pas comme ça. On est solide. Le bassin les relaxe. Le buste aussi, quasi immobile. Allez. Allez, plank in and out, donc push up, in, out. Vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas faire beaucoup de pompes. Allez-y progressivement, à votre rythme. Jumping jacks. Allez. 3, 2, 1. Exercise 2. Ensuite, ce sera les side. Jump squat. Si besoin, pas se déplacer sans jump. On serre bien les fesses à la remontée.
Allez. 3, 2, 1. 10 seconds. Spring jacks, commando. Allez, bientôt au bout, c'est avant-dernier tour. On lâche rien. Yes. On passe au butterfly. Avant-dernier exercice. Donc option 1 sous les fesses. Ou non. Allez.
voir sur le dos, tout le temps. Push up, plank, in and out. Allez, tenez bon. Il ne reste que 4 exercices, c'est-à-dire 2 minutes. Plus que 2 minutes d'exercice. Et vous avez fini votre séance. Side, jump squat. On s'accroche. Même si ça picote les quadriceps. Entraînement. Et sur ce, je vous dis à très vite.